Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Sephora où il y a encore eu, regardez-moi ça, un gros craquage. Et en plus de ça, on est pile poil dans la période du Black Friday, donc il y a des produits que j'ai pu dégoter déjà parce que, ils ont commencé lundi chez Sephora à proposer des articles pour le Black Friday, donc c'est jusqu'à vendredi. Et vous savez que ce Black Friday, du coup, il nous propose d'accéder à des réductions sur des marques qui ne sont parfois pas accessibles à ces réductions. Comme je sais que par exemple, Too Faced, c'était lundi et mardi dernier, il proposait 20%. Et aujourd'hui, bah, du coup, c'est encore une nouvelle marque. Demain, il y en aura encore une autre. Donc, n'hésitez pas à regarder la page d'accueil du site Sephora. Je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez savoir justement qu'est-ce qu'ils proposent au jour le jour comme réduction. Et justement, on commence avec un premier produit qui a été soldé pour le Black Friday. Il s'agit du masque purifiant et matifiant à la boue, zinc et cuivre de chez Sephora, que j'ai acheté comme ça en version mini. Il était sur ma wishlist, donc c'est super, c'est vraiment bien tombé. On sait que les produits Sephora ne sont pas tout le temps soldés. Enfin, c'est Sephora Collection, celui-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, de 6,99€, il passait à 3,50€. 50%, donc du coup ce masque-là, il est bien pour les peaux grasses, ce qui n'est pas du tout mon cas, j'ai plutôt la peau sèche, mais j'aime bien l'appliquer ici, juste au niveau, à côté des ailes du nez, là où j'ai les pores les plus visibles, et ça aide vraiment, je trouve, à réduire un petit peu les pores, la taille des pores, et à assainir, à purifier cette zone de mon visage qui a tendance à avoir un petit peu plus d'imperfections. Même chose sur mon menton. Et du coup, à côté de ce masque en boutique, parce que du coup, je l'ai en boutique celui-ci, j'ai vu qu'il y avait la version voyage du Glam Glow. Donc, c'est le Super Mud. Donc, pareil, c'est un masque boue qui est purifiant. Celui-ci, c'est un masque que j'utilisais il y a très longtemps et qui est extrêmement efficace. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire, même moi, je trouve quand même que ces deux produits sont des dupes l'un de l'autre. Le Sephora, bien sûr, en version beaucoup moins chère parce que le Glam Glow est très très cher. Mais il est peut-être un tout petit peu mieux. Mais sinon, ils valent. Hein. Si vous n'avez pas du tout le budget pour le Glam Glow, c'est pas grave. Celui-ci va très très bien. Ensuite, Fresh. Vous savez que Fresh, c'est une marque que j'ai découverte dernièrement. Et alors, ça a été un gros coup de cœur. J'avais envie du coup de tester plus de choses de la marque. Donc déjà, j'ai racheté, comme je vous disais la dernière fois, le baume au sucre hydratant pour les lèvres en version chocolat. Dernière fois, je vous présentais la version caramel. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est parfumé au chocolat. Il sent vraiment très très bon. C'est une texture très épaisse, comme ceci, qui reste bien sur les lèvres, qui les hydrate, qui est vraiment agréable et qui a une compo assez clean. Voilà, Fresh, ça fait partie des produits qui ont des compos clean. Compos clean, ce ne sont pas des compos bio, hein, je précise. Mais en tout cas, il y a tout un tas d'ingrédients qui ne sont pas nécessaires d'utiliser dans des formules dont il se passe. Donc, c'est très, très bien. Après, oui, il y a du phénoxyéthanol, mais personnellement, tant que ça ne touche pas les femmes enceintes, les bébés, les enfants ou les femmes allaitantes, je ne vois pas d'inconvénient personnellement à utiliser de phénoxyéthanol. Après, si vous êtes contre, je l'entends tout à fait, pas de souci. Donc j'ai aussi pris chez Fresh le Soy Face Cleanser, donc c'est un nettoyant au soja. C'est un best-seller de la marque, donc j'ai quand même choisi en taille voyage pour pouvoir le tester. Et il est très très bien, je l'utilise en deuxième nettoyage, après avoir passé mon huile démaquillante. Et il ne tire absolument pas la peau, il mousse un tout petit peu et il nettoie vraiment très bien. On a la sensation d'une peau propre ensuite. Donc puis je trouve que c'est format voyage de toute façon. Qu'est-ce que c'est pratique pour tester, pour découvrir, c'est génial. Donc... ceci de Fresh, et j'ai également racheté chez Fresh le Sugar Lip Polish. Donc c'est un gommage pour les lèvres que je vous avais présenté en taille... alors c'était en taille découverte que j'avais eu dans un coffret avec le baume pour les lèvres au caramel. Et j'ai tellement aimé ce gommage pour les lèvres, je le trouve tellement efficace que du coup je l'ai acheté en taille vente. Là, je pense qu'il se présente. Oh, bah, il est bien emballé, voilà, comme ceci, dans un petit pot, toujours... aux mêmes couleurs, c'est très joli le packaging Fresh, j'aime beaucoup. Voilà, et on est sur un gommage au sucre. C'est du vrai sucre, hein. Du coup, plus on gomme, plus le sucre fond sur les lèvres. Et c'est du sucre qui va avoir des propriétés réhydratantes. Ensuite, dernier article chez Fresh. J'avais vraiment très très envie de tester le Sugar Lip Serum. Donc c'est un sérum pour les lèvres et le contour des lèvres.
Habituellement, ce que je fais, c'est quand j'applique mon contour des yeux, ce qu'il me reste sur les doigts, je viens tapoter un petit peu la lèvre supérieure. Et j'avais quand même très envie de tester celui-ci parce qu'on n'en dit que du bien. Donc c'est une crème. Ah, celui-ci, je l'ai testé. Hein. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un petit flacon pompe. On est sur une crème comme ceci. Et du coup, on vient masser ses lèvres et les contours. Il s'applique matin et soir. Il peut s'appliquer le matin. Ça fait une très très bonne base pour le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres ne file pas. Ça aide vraiment à maintenir l'hydratation. Alors ça, si vous aimez les rouges à lèvres mat, c'est très très bien. Et le soir, après, c'est inclus dans sa routine de soins du soir. Il est vraiment... j'en mets un petit peu au-dessus de ma lèvre. Il est vraiment... il va apporter... il repulpe les lèvres. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il ourle la lèvre. Donc, on a l'ourlet qui est bien défini. Et il est très agréable. Il ne donne pas de comédon. Parce que sur la lèvre supérieure, je peux avoir tendance à faire des comédons. On est nombreux sur le pourtour des lèvres. Et il ne donne absolument pas de points noirs ni rien du tout. Donc, voilà, j'utilise... En traitement, en cure, à voir ce qu'il donne. Mais pour le moment, j'en suis entièrement satisfaite. C'est un très bon produit. Et puis, si vous êtes fan des produits lèvres, etc., je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous être utile. Ensuite, chez Origins, j'ai voulu tester ce produit. Il s'agit du Super Spot Remover. Donc, c'est le gel traitant contre les imperfections. Alors non, ce n'est pas un échantillon. Il est vraiment vendu comme ça. Il fait 10 ml. Et en fait, c'est un gel que l'on applique localement sur chaque bouton, chaque imperfection. Et celui-ci contient de l'acide salicylique qui va avoir pour propriété d'enlever les petites cellules agglutinées en amas sur la peau, de faire peau neuve et du coup de favoriser une exfoliation finalement de la peau et faire accélérer la disparition du bouton. Alors celui-ci, je l'ai essayé deux fois sur un bouton que j'ai ici et c'est un gros bouton, les gros boutons douloureux sous la peau. On se demande s'ils vont sortir ou pas et du coup, je les trouve très très bien, ça assèche. Alors ça, juste je vous dis, ça pique vraiment à l'application. Je n'ai pas pourtant la peau particulièrement sensible, mais là il m'a piqué, donc ça ne me dérange pas parce que je me dis que du coup il y a une efficacité, c'est pas mal, psychologiquement ça c'est rassurant, surtout que je l'ai payé combien, 18 €, je crois, hein, ça c'est très très cher, mais pour le moment j'en ai entièrement satisfaction. Alors bon, bien sûr je l'essaierai plus quand j'aurai un petit peu plus de boutons, hein, ce qui viendra, je m'inquiète pas, mais là pour le moment pour ici ça va très très bien, j'en suis absolument pas déçue. Je trouve qu'il est aussi bien finalement que les patchs, vous savez, que j'utilise, qui se collent, qu'on laisse poser toute la nuit. Et bah, du coup, ça, bien sûr, ça n'a pas l'inconvénient d'avoir un patch collé. C'est pas au niveau de l'esthétique, c'est bien mieux. Et la peau respire tout de même, alors qu'avec le patch, la peau ne respire pas. Donc très très bien. Ensuite, j'accélère un petit peu parce que il y en a encore beaucoup. Sephora, alors hop, Sephora, j'ai repris mon masque à l'argile rose, c'est le uniformisant éclat que j'adore. Je trouve vraiment, la compo n'est pas top, ça c'est clair, je le dis, pour celles qui sont sensibles aux compositions, c'est pas terrible, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, et je trouve qu'il apporte vraiment de l'éclat au teint, c'est-à-dire qu'il unifie vraiment le teint, tout simplement. J'ai le teint plus clair après l'avoir utilisé. Donc le format est super pratique pour partir en voyage. Pareil, une petite gourde comme ça, ça se glisse, ça tient vraiment pas beaucoup de place. Donc très très bien. Et alors ce pinceau fond de teint, Sephora, donc c'est le pinceau fond de teint numéro 47, c'est le Pro Foundation, qui m'a été celui-ci offert par la marque. Donc c'est un pinceau, vous voyez, qui est d'un côté comme un pinceau plat, les pinceaux à fond de teint classiques, et l'autre côté, il est biseauté. Il est assez fourni. Voilà, je vous montre. Et il est hyper pratique pour appliquer le fond de teint au niveau sur les contours, finalement. Pour passer entre les sourcils, pour passer ici, là, où c'est toujours plus délicat de passer son fond de teint avec un gros pinceau. Il est très très pratique et on peut également l'utiliser, celui-ci, pour appliquer son contour crème. Vous voyez, pour appliquer le contour juste ici, il est parfait. Il a la forme idéale. Donc celui-ci, je l'ai utilisé avec des fonds de teint fluides, comme par exemple le fond de teint que j'adore, le Skin Illusion de Clarins. Et il va très très bien. Et c'est avec un fond de teint fluide qui a peu de couvrance, on va très très vite.
Mais si on veut utiliser un fond de teint un petit peu plus couvrant, c'est possible. C'est simplement qu'il faudra un petit peu plus prendre le temps de travailler son teint, puisqu'il est quand même assez petit. Il est vraiment pas aussi large que les pinceaux fond de teint qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Donc il faudra prendre un petit peu plus le temps pour travailler le teint avec ce type de pinceau, mais il est vraiment très très bien. C'est, vous savez, le maquilleur Sephora de la chaîne Sephora US. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps, il fait des tutos et il adore ce pinceau, il l'utilise tout le temps. Bon, bien sûr, il travaille chez Sephora, donc il utilise un pinceau Sephora, certes, mais bon, des pinceaux Sephora, il y en a plus, de fond de teint, il y en a plusieurs. Et celui-ci, effectivement, il est vraiment très très bien. Ensuite, Bobbi Brown. Bobbi Brown, c'est une marque que j'aime beaucoup, dont je connais principalement le maquillage, et j'avais envie de tester les soins. Vous aviez été nombreuses à un moment donné chercher une crème contour des yeux. Et vous m'aviez dit, mais teste celle de chez Bobbi Brown, elle est vraiment géniale. Et du coup, j'avais quand même gardé l'idée en tête. Et alors, je voudrais vraiment vous remercier, les filles, un grand, grand merci. Parce que là, vous m'avez fait découvrir une pépite, comme on dit. Donc, c'est la crème extra, la Eye Repair Cream. Dans un packaging superbe, comme ceci, c'est un flacon en verre. Et on est sur une crème pour le contour des yeux, une crème... Bon, on nous dit principalement l'appliquer le jour. Moi, c'est ce que je fais. La nuit, j'utilise autre chose. Et on est sur une crème extrêmement épaisse. J'espère qu'on va arriver à voir avec la lumière qui est un peu étrange aujourd'hui, encore une fois. Mais elle est extrêmement, extrêmement épaisse. Il en faut un tout petit peu. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours la main lourde, surtout avec mes contours des yeux. La première fois, je me suis dit, oulala, ça m'a fait gonfler les yeux. J'en avais appliqué trop, c'était pas possible. En fait, il en faut un tout petit peu parce qu'elle est quand même très, très chère, cette crème. Mais bon, les réductions marchent hein, sur Bobbi Brown chez Sephora. Elle est vraiment super. Donc, elle fait tout. Elle est hydratante, elle va être anti-ride. Et en plus de ça, c'est une très bonne base pour le maquillage. L'anti-cerne tient très, très bien. Ne file pas dans les plis avec cette crème. Encore une fois, tout dépend de la quantité que vous appliquez. Si vous en mettez trop, effectivement, il y aura toujours ce rendu, ce fini un petit peu gras. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime dans les contours des yeux. Donc super découverte encore, merci à vous de m'avoir conseillé cette crème. Et du coup, une fois que j'ai acheté cette crème et que j'ai été ravie de son efficacité, j'ai voulu continuer dans les soins Bobbi Brown et j'ai voulu tester la base de maquillage vitaminée dont on entend beaucoup parler en ce moment sur YouTube, qui est un best-seller de la marque, que je n'ai pas encore testé, hein, je l'ai reçu hier. Donc voilà, qui se présente comme ceci, toujours dans les petits pots, les packaging Bobbi Brown, c'est chic, élégant, raffiné, c'est superbe. Et puis alors, je trouve que c'est vraiment unisexe, super, je trouve ça vraiment bien. Donc là, on est sur une base de teint, hop, qui sent un petit peu le citron, la citronnelle. Il y en a des retours très très bons sur le site de Sephora dans les avis. Donc je suis impatiente de la tester, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai pas encore tout testé, hein. Hop. Ensuite, autre masque. J'ai voulu tester ce masque de chez Sand and Sky. C'est un masque purifiant à l'argile rose d'Australie, comme ceci. Je vais vous dire, c'est le même principe que ce masque-là. On va être sur quelque chose de purifiant, puisque l'argile purifie. L'argile rose spécifiquement est plus du côté éclat, effectivement. Donc c'est un peu la même chose, simplement j'avais envie de tester. Là c'est la taille voyage, sachez qu'il existe en taille voyage et qui est pas mal déjà. Hop, ah, on a une petite spatule, ce qui est rare, donc ça c'est très très bien. On a un très joli packaging, hein, je trouve. C'est un flacon, je pense que c'est du verre. En tout cas le packaging est très bien. Hop. Vous savez ce qu'il sent? Il sent un petit peu la colle Cléopatra. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces colles. Bon, je pense que si vous avez mon âge, oui, vous vous en rappelez. La quarantaine, ces colles, on a tous connu ces petits pots de colle. Mais ouais, ça sent un petit peu la Cléopatra. En tout cas, voilà, j'avais envie de tester aussi celle-ci parce que la compo est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux que le masque Sephora. En revanche, le prix n'est clairement pas le même. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu tester en taille voyage. C'est un petit peu plus accessible. Simplement, je vous dis, cette taille voyage, je l'ai trouvée en boutique. Je ne l'ai pas trouvée sur le site hein, de Sephora. Je ne crois pas qu'elle est dispo. Donc, je vous mettrai le lien vers le full size. Mais sachez qu'en magasin, on peut le trouver en petit. Si je trouve bien sûr le petit format sur le site, je vous mettrai le lien sans problème. Ensuite, Urban Decay. Je voulais trouver
un crayon à lèvres rouge, mais un rouge qui tirait un petit peu plus vers le orange, parce qu'on trouve beaucoup de rouge avec des touches un petit peu de rose à l'intérieur. J'en ai des crayons comme ça et je voulais vraiment un rouge rouge. Vous voyez, un petit peu comme le Pau Poilette, le rouge à lèvres Givenchy dont je vous parlais la dernière fois. Donc là, c'est la teinte 714. Oui, c'est ça, 714. Et pour connaître les crayons à lèvres Urban Decay, ils sont vraiment très bien. Ils ne filent pas, ils tiennent bien, ils sont crémeux, faciles à appliquer. Donc très très bien. Ensuite, j'ai racheté le Better Than Sex mascara de Too Faced, qui est mon mascara favori. Rapport qualité-prix, il est extra, en fait, je trouve. Et justement, lundi, mardi, il y avait les moins 20% sur Too Faced. Donc, j'en ai profité pour reprendre mon mascara. Ensuite, j'ai voulu tester le... Je veux dire pourquoi je dis j'ai voulu tester. Le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors là, bien sûr, aussi, c'est un best-seller de la marque qui est ultra connu, qui était sur ma wishlist. Et ce week-end, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais chez mes parents à Montpellier. Et je vois que ma mère a le Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Je lui dis, ah alors, comment tu trouves? Est-ce que c'est bien? Parce que je compte l'acheter. Elle me dit, non, bah écoute, l'achète pas. Je pense que je vais te le passer. Parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'elle cherchait un anti-cerne. Et la conseillère chez Sephora lui a dit, comme anti-cerne, vous n'avez qu'à utiliser le Touche Éclat. Alors... il y a peut-être deux écoles, il y a peut-être... moi, personnellement, je ne travaille pas chez Sephora, je ne suis pas conseillère pour cette boutique, je n'ai pas de formation, je n'ai pas fait d'études dans le domaine de l'esthétique, mais pour moi, le Touche Éclat n'est pas un anti-cerne, c'est une touche éclat. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on va utiliser pour apporter de l'éclat au teint, donc on va utiliser en touche de lumière sur des points stratégiques du visage, comme le coin interne de l'œil, peut-être le coin externe parce que parfois on a l'œil un petit peu rouge à ce niveau-là, entre les sourcils, sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, un petit peu sur le menton, voire en haut des pommettes, pour accentuer justement, mettre de la lumière sur ces points-là, un petit peu où on mettrait finalement son highlighter. Mais pour moi, ce n'est absolument pas un anti-cerne. Donc, on lui a vendu en tant qu'anti-cerne. Donc, ma mère, elle n'est pas intéressée pour aller mettre des points de lumière comme ça pour le visage. Il faut que ça aille vite quand même quand elle se maquille. Du coup, elle m'a donné. J'ai pu le tester et je confirme qu'il n'y a absolument pas la couvrance pour un anti-cerne. Pas du tout. Mais en tout cas, ça, je l'ai en teinte numéro 2. Je vais vous montrer. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne la luminosité, ça apporte quelque chose, mais vraiment, vraiment... en subtilité, ça vient éclaircir la peau, ça réfléchit absolument pas de paillettes de nacre ou quoi que ce soit comme le frein highlighter. Donc c'est un bon produit, mais simplement sachez que c'est vraiment pour apporter de la lumière, d'éclat au visage, et c'est absolument pas pour camoufler, même pour camoufler des imperfections, hein. C'est pas du tout assez couvrant, on est sur quelque chose de léger, de naturel, voilà, tout simplement. Ensuite, chez Rawa, donc c'est une marque de capillaire, donc qui est vendu chez Sephora, j'avais envie de tester un après-shampoing bio finalement, avec des composants vraiment naturels. Alors je vous le présente, mais je vais vraiment pas le tester tout de suite celui-ci, ou peut-être une fois pour m'en faire une petite impression, un avis rapide, parce que j'ai encore des après-shampoings terminés, des après-shampoings qui contiennent du silicone. Donc je veux terminer tout ce qui a du silicone dans mes routines capillaires, et ensuite je passerai à des produits plus clean pour mes cheveux. Donc là, il s'agit du... Alors je regarde où c'est en français, mais ce n'est pas écrit en français. Ah, je vais y arriver. L'après-shampoing classique, donc pour cheveux, c'est pour les cheveux normaux celui-ci. Voilà, qu'on peut aussi utiliser pour les cheveux colorés, qui a une odeur... effectivement très naturel, ça sent la menthe et ça sent un petit peu les noix, je trouve. Voici pour le haul Sephora. Je vais quand même vous parler d'un autre produit qui ne se trouve pas chez Sephora, mais que je viens de recevoir de la part de la marque Gisèle Delorme. Donc je vous en parle tout de suite, puisque c'est un haul. Il y a pas mal de produits que je n'ai pas encore testés, donc je vous donnerai des nouvelles des produits très prochainement, et je vous donnerai également des nouvelles de ce produit-ci que je ne vais pas tarder à utiliser. Il s'agit du complexe vitaminique antioxydant. Qui se présente comme ceci. J'adore les packagings Gisèle Delorme. Regardez, c'est classe. Il y a 30 ml. Hein. C'est pipette. Je trouve ça très très joli. On est sur un flacon en verre. Très joli.
esthétique. Donc déjà, ça ne gâche rien. Et donc du coup, on nous dit que ce complexe, donc il a utilisé tel un sérum. Moi, c'est celui qui va, il va remplacer mon sérum Hollywood Skin que je suis en train de terminer, mon sérum à la vitamine C. Et celui-ci est vraiment enrichi en vitamine E. Il y a 5% de vitamine E qui est un antioxydant. Et du coup, on nous dit que celui-ci va donc nous protéger des radicaux libres comme les UV, les pollutions, la pollution, le stress, le tabac, atténuer les irritations et rougeurs, ce qui est parfait pour le froid, parce que ça y est, le froid arrive, élimine les signes de fatigue, maintient le niveau d'hydratation de la peau, favorise la régénération cellulaire et optimise l'efficacité des produits appliqués par la suite. Génial. Donc, je suis vraiment impatiente de tester celui-ci. On le trouve bien évidemment sur le site de la marque Gisèle Delorme. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et c'est une marque aussi qui est distribuée en institut de beauté. Donc, je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Donc, voici, on arrive à la fin du haul Sephora. J'ai plein de choses à tester. Ça a été quand même, oui, le lâchage, hein, cette fois-ci encore. Mais bon, j'avais une réduction, hein, évidemment. J'ai acheté plein de produits en réduction, mais profitez vraiment du Black Friday. Allez voir vraiment sur le site tout ce qui se passe au jour le jour. En ce moment, ils font des coffrets. J'ai vu qu'il y avait le coffret fraîche qui passait de 82 à 60 euros. C'est le coffret de masque. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos ce coffret. C'est quelque chose qui me faisait très envie. Mais bon, j'ai assez de masques pour le moment. Je suis folle, je suis dingue de masques. Hein. Ça, c'est clair que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai encore acheté des masques ici. J'en ai encore sur ma wishlist. Donc... Ça sera pour une autre fois, mais guettez, il y a toujours des promos, en tout cas pour toute cette semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine, certainement, avec un haul mode. Je sais qu'il y en a qui devaient s'attendre à la vidéo aujourd'hui. Mais il fallait que je fasse quelque chose pour le Black Friday, absolument, pour que vous soyez au courant de toutes les bonnes opportunités et tous les bons plans. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.